Bonjour et bienvenue sur Copywriting Facile. Ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous un élément, c'est-à-dire une erreur que j'ai rencontrée chez quelques entrepreneurs. Par exemple, au niveau des premiers résultats, selon votre marché. En fait, j'ai pensé à ça tout simplement il y a quelques semaines. J'étais au restaurant avec un ami. Et dans une crêperie sur Nantes, comme vous l'avez deviné, j'adore les crêpes. Et à peine arrivé, la serveuse nous a installés, nous a amené les menus, elle a pris notre commande et à peu près, je sais pas, peut-être 15 minutes après, moins de 15 minutes après, nous étions servis avec nos premières crêpes. Et du coup, c'était génial. Parce que, imaginez si le midi, en principe, vous n'avez pas 3 heures, vous avez 2 heures, un peu moins de 2 heures pour manger. Du coup, si vous devez attendre une heure pour votre crêpe, pour commencer à manger votre menu, c'est mort. Vous allez pas revenir dans ce restaurant, même s'il fait les plus belles crêpes, les crêpes les plus délicieuses du monde. Le midi, attendre une heure pour des crêpes, c'est trop long, quoi, tout simplement. Surtout si vous n'avez pas le temps. Et votre prospect qualifié, c'est pareil. Avec les résultats que vous promettez dans votre domaine d'activité, je ne sais pas si vous êtes pour prendre un exemple, le secteur de l'amaigrissement, si vous promettez les premiers résultats au bout d'un mois seulement, au bout de 30 jours, ça va être compliqué parce que votre prospect, il veut des résultats visibles tout de suite dès la première semaine. Donc, par exemple, si vous avez une méthode qui est géniale pour perdre du poids, pour se débarrasser de la graisse, tout simplement, vous pouvez promettre le résultat, donc la solution, donc un corps de rêve, se libérer de ses kilos en trop. Au final, ouais, ça, c'est votre promesse principale. Et par contre, bien évidemment, pour toujours dire la vérité, vous n'allez pas dire vous allez perdre 30 kilos en 30 jours. Sauf si vous avez réellement une méthode qui le permette. Et encore, il faut que votre promesse soit crédible pour votre prospect. Non, vous allez promettre les premiers résultats. Donc ça, c'est une stratégie très puissante de promettre les premiers résultats. C'est comme au restaurant, on ne va pas vous promettre, vous aurez votre plat complet en moins de 5 minutes si ce n'est pas possible. Par contre, de promettre les premiers résultats, dès votre arrivée, vous êtes servi, vous avez l'apéritif qui vous attend dès votre arrivée au restaurant. C'est pareil, dans votre secteur d'activité, dans votre activité, vous pouvez dire, si c'est le secteur de l'amaigrissement, dès la première semaine, vous pourrez constater une réduction de votre poids de 2 à 4 kilos dès la première semaine en appliquant, dès la fin de la première semaine, en appliquant le programme X ou Y. Si votre méthode le permet, de promettre des résultats intermédiaires, le fait c'est de qu'est-ce que vous pouvez trouver comme premier résultat? Dans le secteur de l'amaigrissement, c'est de la perte de premier kilo au bout de 7 jours. À la fin des 7 premiers jours, vous allez constater devant votre miroir la perte de vos kilos en trop, de 1 à 4 kilos par semaine, par exemple. Vous pouvez partir là-dessus si ça correspond à vos premiers résultats. Donc, dans votre secteur d'activité, ayez toujours cette notion de rapidité. Vos prospects, ils sont pressés d'obtenir les résultats. Peut-être pas le résultat final si c'est pas possible, bien évidemment. Une crêpe, un repas au restaurant, un menu en moins de 5 minutes de qualité, ça risque d'être compliqué. Par contre, c'est possible dans les 5 premières minutes de promettre l'apéritif. Et donc vous, dans le secteur, si vous êtes dans le secteur de l'amaigrissement ou un autre, dans les 7 premiers jours, il peut y avoir des résultats concrets dans le domaine du, par exemple, de la libération pour éliminer le stress. Dès les 2 premiers jours, c'est possible de constater une amélioration. Et c'est ça que vous allez promettre, des résultats, les premiers résultats rapides, visibles, que peut ressentir votre prospect. C'est extrêmement important. S'il ne va pas s'imaginer, dans 6 mois, il va bien... Ça va être difficile pour lui de comprendre que dans 6 mois, il aura, dans le secteur de l'amaigrissement, perdu tous ses kilos en trop. Personne ne veut attendre 6 mois, même si la méthode est excellente,
personne ne s'imagine, enfin c'est très difficile de s'imaginer patienter pendant 6 mois pour avoir les premiers résultats. Donc si vous lui dites, voilà, dès la première semaine, dès demain, dans les 2 prochains jours, vous allez constater ça, ça et ça, vous allez vous sentir plus en forme, avec plus d'énergie dès le lendemain, dès les 2 premiers jours, vous allez vous sentir avec plus d'énergie, plus de cœur à l'ouvrage, là vous allez voir que bah, votre prospect, rien que pour tester, pour vérifier ça, il va vouloir essayer votre produit ou votre service. Donc c'est très important, ajouter cette notion de rapidité dans vos argumentaires de vente, dans les promesses que vous faites. Donc vous avez toujours votre grande idée principale, la solution, la transformation de vie. Donc c'est une grande idée que vous vendez. Et rajouter le pouvoir des mots en utilisant cette notion de rapidité, donc avec des résultats intermédiaires. Donc, bon, je suis un petit peu fatigué, je suis rentré de Clermont-Ferrand, enfin d'Issoire plus précisément, pour revenir sur Nantes hier. Et bah, j'étais dans le train, j'ai préparé les thèmes des prochaines vidéos, le pouvoir des mots que je vais partager avec vous. J'ai, bah, pour cette année 2017, j'ai énormément de surprises pour vous, vous allez voir. Ça va vous permettre de transformer votre activité existante, la vente de vos produits existants, en changeant une simple idée, une simple phrase, de simples mots dans votre argumentaire de vente, dans votre conférence en ligne, dans vos séquences email de vente, de créer cette connexion beaucoup plus forte avec vos prospects qualifiés pour les amener à essayer votre produit ou votre service et de devenir vos clients. Donc, pour aller plus loin dès maintenant, c'est très simple, il suffit de faire partie de ma liste de contacts privilégiés. Hier encore, je recevais un email pour me remercier pour le pack Noël que j'ai envoyé du coup à ma liste de contacts privilégiés avec des outils confidentiels, enfin des outils que j'ai fait développer par mon équipe que j'utilise pour concevoir des argumentaires de vente, pour utiliser le pouvoir des mots. C'est ce genre de surprise, d'outils complémentaires que vous pourrez utiliser en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et c'est pas tout en fait. Chaque semaine, même plusieurs fois par semaine, vous allez directement dans votre boîte mail recevoir des stratégies. C'est-à-dire, souvent, j'ai des idées, comme vous voyez, j'ai toujours mon carnet de notes sur moi. Et dès que j'ai des idées, que je les teste dans les activités des entrepreneurs qui me font confiance pour rédiger leur document de vente, utiliser le pouvoir des mots pour eux, pour le développement de leur activité, dès que ça marche, souvent, je les partage avec mes contacts privilégiés. C'est un peu plus, on va dire, intimiste, un peu plus. C'est des informations que je souhaite diffuser uniquement aux entrepreneurs ambitieux et motivés à développer leur activité avec des produits de qualité diffusés à leurs clients, à leurs prospects. Donc, pour utiliser le pouvoir des mots et en savoir plus, donc profiter de toutes ces stratégies un petit peu. Pas secrète, mais en tout cas bien gardée auprès des initiés, des copywriters qui les connaissent. Je partage tout avec les entrepreneurs ambitieux qui font partie de ma liste de contacts privilégiés. Et pour cela, il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo ou sur le lien au-dessus de cette vidéo. Donc dans la description en dessous de cette vidéo, il y a un lien et ce qui vous permet d'accéder à une page pour renseigner votre prénom, votre adresse mail et ensuite directement par email. Plusieurs fois par semaine, vous allez recevoir des stratégies donc, qui sont différentes des vidéos, le pouvoir des mots, des stratégies encore plus poussées, plus incisives et plus précises pour vous permettre de passer à l'action tout de suite maintenant. Bah, écoutez, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut !